un match du Football Club de Nantes depuis 1945. Oui, depuis que le FC Nantes a été créé. Il a été jardinier à la ville de Nantes pendant de nombreuses années. Alphonse Griffon, on va le retrouver dans la banlieue nantaise, dans son appartement. J'ai certainement été dès le premier match du Football Club de Nantes. Mais à quelle année, quelle époque? Vous allez à tous les matchs? Tous sans exception. Si j'y vais pas, j'en suis malade. Ça m'est indispensable, ça. Dans l'équipe d'aujourd'hui, je les aide tous. Mais enfin, il faut quand même que je vous en donne un. Eh bien, c'est Loco. Sfodo, bien. Formidable aussi. Terrible. Simple, mais pour la grosse tête, mais avec ses joueurs, il doit être formidable. Henri Michel, formidable. Formidable. On s'est foutu de sa gueule. Ah, faut peut-être pas que je dise ça, parce que, à mon avis, c'est pas exagéré de penser que Nantes va être champion. Il est quand même premier. Hein? Et puis, l'équipe qu'ils ont est taillée pour pouvoir faire un champion de France cette année. Et je le désire ardemment. Heureusement que j'ai le foot, mais qu'est-ce que je deviendrais? Ça serait triste. Alors il reste un match à voir, c'est notre affiche, le match Nantes-Saint-Etienne où on va retrouver la famille de monsieur Alphonse Griffon avec Alain, son fils et son petit-fils Romain. Deux autres matchs, c'est ce soir en fin d'après-midi. Lyon-PSG, c'est à 18h et sur Canal+. Auxerre-Lille, c'est à 20h30 au stade de la Baie-des-Champs. Et là, au retour de Zagreb, l'équipe de Giroud aura besoin de tous ses supporters. On en vient à notre match, donc, Nantes-Saint-Etienne, Pascal. C'est parti. Dis donc, Alain, oui. Je sais pas s'il est là-dessus, le petit Romain. Ah, Alphonse Griffon et son petit-fils Romain découvrent dans Sportmania, l'organe officiel du FC Nantes, que Reynaldo Pedros, blessé aux adducteurs, ne jouera pas cette rencontre. Le stade Louis Fontenot, plein hier soir, avec plus de 30 000 spectateurs. Le Football Club de Nantes Atlantique fait toujours recette. Bravo à tous les supporters nantais, également aux supporters. Stéphanois, c'est donc parti. 80 secondes de jeu, une faute sur Wedek, sifflée par monsieur Glochon. Le coup franc va être rapidement joué par Endoram, qui a donné dans le trou à Loco. Et but! secondes de jeu, Nantes mène 1-0. Le ballon décisif de Jafet Endoram. Loco, c'était bien élancé dans le trou, et 7e but de la saison de Patrice Loco en 9 matchs. C'est aujourd'hui le meilleur buteur du championnat, facilité par l'absence de Wolfhart côté stéphanois, l'absence de Wolfhart qui a beaucoup pesé sur cette rencontre. Toujours Nantes à l'attaque, on joue depuis 4 minutes simplement, un pressing des jaunes. Tous les Nantais autour du porteur du ballon est récupéré par Guillaume puis par Endoram. Relais avec Loco, Endoram qui va pouvoir frapper, tir d'Endoram, Lucas repoussé, Wedek. Et 2-2, but de Nicolas Wedek. Wedek, le deuxième buteur du club avec 6 buts. Le tir parfait de Endoram qui a été hier soir étincelant. Quand ce n'est pas Pedro, c'est Loco. Quand ce n'est pas Loco, c'est Wedek. Et hier soir, c'était Endoram. Et c'était également un homme dont on va beaucoup parler, Claude Makélélé. En tout cas, les Nantais ont toujours le ballon avec Ferry. Le voici, Makélélé, au milieu de 3 Stéphanois. Il s'en sort, il résiste, Makélélé, il a le ballon. Makélélé à droite pour Loco. Centre de Loco et but. But de Makélélé. C'est merde. Après 17 minutes de jeu, le match est plié. Le travail exceptionnel de Makélélé qui jouait davantage aux avant-postes hier soir. C'est son premier but depuis l'ouverture du championnat. Passe décisive de Loco. Un but marqué, une passe décisive. Pas mal.
Et Nantes mène donc 3-0, sans doute une erreur d'appréciation défensive des Verts. Pedros, admiratif. À Saint-Étienne, non ? On joue comme on peut. Ah bah oui. Réaction stéphanoise néanmoins. Saint-Étienne, on joue comme on peut, mais c'est Passy qui avait remonté le ballon. Au milieu, il y a De Guerville. Sur la droite, pour Sirzewski. Il va chercher un partenaire démarqué, comme on dit dans ces cas-là. Le ballon pour Passy. Et la tête était bien ajustée. Mais Casagrande, qui a été parfait hier soir, s'était bien détendu. Premier match en première division de Dominique Casagrande. C'est le nouveau gardien. Eh oui, c'est le nouveau gardien. Japhet Endoram au milieu du terrain. Le disait, 42 au centre, Loco au-dessus. La pression, la domination sont toujours nantaises, mais Saint-Étienne sort de sa boîte avec ce corner et cette tête de Potillon sur la base du poteau. Un ballon comme ça, c'est pas possible. Pas de chance pour le jeune défenseur latéral des Verts, mais Casagrande était quoi qu'il arrive sur la trajectoire de ce ballon. 3-0, c'est le score à la mi-temps. Alphonse va se désaltérer quelques secondes et va revenir pour la deuxième période qui va débuter sur le même rythme avec Christophe Pignol sur la gauche. Il passe Pignol, Makelele qui est passé et qui s'est emmêlé les crayons au dernier moment. Loco, Endoram étincelant, je vous le disais, sur la droite pour Carambeu qui tire, non ? Carambeu en retrait, Makelele le disait, Loco, et ça n'est pas passé. Il n'est pas joué. Il n'y est pas, le centre de le disait, la reprise est de Loco et Robin Huck sauve du pied sur sa ligne. Il y aura un quatrième but dans cette rencontre. Toutefois, il sera refusé à la suite de ce centre de Endoram. Guillaume, Huck, Loco, Guillaume. Mais Guillaume, cette fois-ci, est hors-jeu. Donc, M. Glochon a eu raison. Il n'y a pas faute, mais il a eu raison de refuser ce but. Et pourquoi ? Eh bien, on va le voir avec ces images de François-Charles Bidot et de Jackie Le Gall. Eh bien, Guillot était hors-jeu, non pas à ce moment-là, mais à celui-ci. 3-0, le score en est donc toujours là après 60 minutes de jeu. Pignol, Wedek, Endoram pour un tir détourné en corner par Robin Huck. On aurait voulu vous montrer des actions stéphanoises, mais mis à part la tête sur le poteau, il n'y a pas eu grand-chose. Domination quasi permanente du Football Club de Nantes Atlantique. Une hola. C'est pas levé. Ben non, parce que c'est pas commencé. Ce coup-ci, ça va être bon. Voilà. On baisse pas les bras, allez ! On baisse pas les bras car Nantes menait 3-0 la semaine passée à Martigues et Nantes s'était fait rejoindre, alors pourquoi pas. Mais il reste un tout petit quart d'heure cette fois, ça va être beaucoup plus dur. Pignol, centre de Pignol, Laurent Blanc sur le poteau. Laurent Blanc qui a failli tromper Robin Huck sur ce centre de Pignol. La jambe qui traîne et ça se termine sur la base du poteau. Il était dit qu'il n'y aurait pas de quatrième but. 3-0 score final. La fête à la Beaujoire avec Casagrande qui a été parfait. L'homme au chapeau, c'est Guy Scherrer. Chapeau également à Claude Makelele qui va recevoir l'hommage de Jean-Claude Suodo après que celui-ci eût salué tous ses joueurs dans le vestiaire. Super, c'est ça. Je vais mon capitaine. Je vais jouer, les gars. Je vais mon capitaine.
Ça, j'aime. Ça, j'aime, ça. Ça, bravo, petit. J'ai demandé à Claude d'être porté un peu plus haut. Et je le savais, bien sûr, depuis longtemps. Mais là, il est sorti encore mieux de sa boîte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et il était redoutable. Pedros félicite Casagrande. Les joueurs m'ont accueilli, c'est vrai, depuis deux mois que je suis là. C'est peut-être pas évident, mais ils ont été très, très sympas avec moi, comme David Marot, pour qui j'ai une pensée ce soir, qui m'a parlé jeudi après-midi, et c'est toujours difficile de lui dédier ce match, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait, mais j'ai une grande pensée pour lui. Hop. Jean-Claude Soudeau avec son petit-fils Victor. Combien il a gagné, ce petit madame ? Le cri de guerre des Nantais, on écoute Laurent Blanc. C'est vrai que cette semaine, on va avoir du travail, puisque je crois que toute la ville, tous les Stéphanois vont penser au match de vendredi prochain qui va se jouer à Chauffroy-Guisard contre Lyon. C'est très important pour tous les Stéphanois. Et je crois qu'à travers cette motivation, il va falloir oublier l'incident de ce soir et se remotiver pour renouer la victoire. Et pour terminer, le bonsoir d'Alphonse. Oui, je suis content de voir. Parce que j'ai dit je voudrais voir Loco pour la bonne, excellente raison. C'est que dans un match, il faut marquer des buts et c'est lui qui marque. Ouais, la dernière fois, je marquais pas beaucoup, puis maintenant, ça commence à aller un petit peu mieux. Encore ce soir. Ouais. Sur Lyon, mais rappelons encore une fois que Lyon-Paris Saint-Germain aura lieu ce soir à 18h. Il y a également Auxerre-Lille à 20h30. Lens et Cannes 3e, Nantes toujours à 28. Dans le bas du tableau, Caen est nettement distancé. Une victoire d'écart maintenant, mais devant, c'est très, très serré.